garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, messieurs, dames, bonjour, merci. Yakuzana Bisho et Bélé, vous êtes ici, nombreux, de nous écrire partout dans le monde, 082-70-38-226. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Monde Mobimba, regarde Nabango Ezali, actuellement République démocratique du Congo, je dis bien le monde entier, pourquoi? Puisque l'un des décideurs du monde, il faut que le Bango, je dis bien, est l'un des décideurs du monde et en République démocratique du Congo. Bato ba yebi important c'est l'Église catholique, ba yebi maramnaza koloba, l'Église catholique participe dans la politique active mondiale, il faut le dire. Le pape est l'un de ceux qui décide aussi, qui a un mot à dire dans certaines choses, c'est ça que les Kanabamboka et Bélé. Le pape est arrivé en République démocratique du Congo sous invitation du président Félix Tshisekedi. On va essayer de parler par rapport à Yango, parce qu'il y a certains qui ont dit que c'était une invitation envoyée par M. Kabila avant et qu'après, le pape a voulu répondre sous Félix Tshisekedi. Bon, il s'avère que l'invitation était sous la gestion de M. Kabila, pourquoi le pape n'est-il pas venu dans la gouvernance de Kabila? Ben, il est arrivé aujourd'hui. Il faut dire que pour la République démocratique du Congo, c'est la troisième fois, moins que je me trompe, que pape Ayawa. Il y a Liboso, je crois, entre 1987 et 1990, si ma mémoire ne me trahit pas, je vais me rappeler. La deuxième fois, c'était en 1985, je me rappelle. Ça, c'était à Lubumbashi, au Zaïre, sous Mobutu. C'était le pape, je crois, Jean-Paul II, en 1985, qui était arrivé aussi au Zaïre, mais il avait atterri à l'aéroport Ya Lubumbashi. Je crois bien en Oluano, si je ne me trompe pas, hein, Ya Lubumbashi. Mais aujourd'hui, il est arrivé, c'est un autre pape, hein, c'est le pape François. Il est d'origine argentin, depuis, il a pris ses fonctions, je crois, depuis 2013, à moins que je puisse aussi me tromper, mais je crois que c'était en 2013. Vous vous rappellerez de ses discours, Abbé Mousse Papam. Nous avons un nouveau pape, c'était en 2013. Et bien, jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui continue à remplacer, je crois, Benoît XVI, quelque chose comme ça, hein, qui était vraiment maladif, qui avait beaucoup de choses, etc. À remplacer qui est, c'est lui qui, aujourd'hui, Azali, dirigeait l'Église catholique. Mais il faut dire aussi, la RDC, et c'est un État laïque, il faudrait le dire, mais plus de 40% de Congolais, je dis bien, plus de 40% de Congolais sont catholiques. Et aussi, plus de 70% des acteurs politiques en République démocratique du Congo sont des catholiques. Et aussi, la partie est de la RDC, elle est partie aux religions, elle a ramoua Mingikune, elle est religion catholique. Surtout quand vous allez à Bukavu, dans le sud Kivu, vous allez à Bukavu, c'est plus, d'abord là-bas, c'est 80% de la population qui est catholique. Vous allez au nord Kivu, ils sont catholiques. Donc, pourquoi on va réfléchir? Pourquoi le pape a-t-il accepté de venir au Congo? D'abord, l'effet d'accepter, de fouler ses pieds au Congo. C'est vrai qu'après la RDC à Okena Soudan, j'aurais appris cela, mais il va faire pratiquement ici 4 jours. Mais après pape, et nous allons demander aux populations congolaises, est-ce que toyambaye, toyambayete. On va réfléchir à ça, toyambaye, toyambayete. On va parler notamment de ça, mais également aussi de ce que nous sommes en train de vivre dans la partie est de la République. Certainement, le pape est venu aussi pour plaider. Toyo kapé discours naye, makambalobaki. Le pape a parlé des choses très pertinentes pour la République démocratique du Congo. Il y a une différence, messieurs, dames, entre l'arrivée du pape Oyesi Koyona, arrivé à un certain président français à l'époque qui était arrivé au Congo, à côté de l'Assemblée nationale, à tenir un discours sur les richesses du Congo. Je me rappelle, c'était Sarkozy à l'époque, mais en tenant son discours, Sarkozy, le Marambo, Kanabiso, Ali, Moka, Ole, Ali, Ebele, et Sengi, Bisoto, Fungula, Ramabo, Koubatouba, Rakoyi, Babaki, Daganango.
Et pendant ce temps, les députés sous Kabila à l'époque ont applaudi. Oh, abeta mabou. N'abeta ce qui français à Sarkozy à l'époque, la rame à casse, il ne peut pas comprendre, etc. On ne sait pas. Mais les discours du pape, nous parlerons de ça. Qu'est-ce qui est caché? Fati a-t-il réussi ou pas? Qu'est-ce que Tshisekedi attend pour décréter la guerre dans l'Est? Qu'est-ce qu'il attend? Le Rwanda est tellement fâché. Le Rwandais, c'est Siliki. Parce qu'il n'y a pas de papa Yakuna. Le Rwandais, c'est Siliki. Dans la minute où j'aurais appris que certains Rwandais, c'est Katisaki, Goma, Bukavu, c'est ce qu'il y avait dans Kinshasa. Bonsoir, ma communauté congolaise. Ah, ils appellent Abino, dans All Nation Store. Et pas à mettre Seti. Tu sais que tu as dit Oyo, Nanga, Naye, Bisonyo, surtout, Toliaka. Tu as awa na Tottenham L, na numéro 121, High Cross Road, postcode N17, N9NR, sorry. Soko leki, restaurant Deluxe Mana, topé Deluxe Mana, ou leki mouke, pavement, ou mati. Ou mati ka biso ou mon action na soukawana. Ou soit so ou tibou scroff, tu en as 23, 230, 242, 76 et tellement cas juste les bosses n'abissent pas. Ou soit au Kiti Kara na underground ya Tottenham L, de Obet no Makolo, quand tu auras un restaurant Deluxe, soroye au mon n'abissent pas. On a pas produit nous surtout, tout en bas carton nous surtout, malangwa, tilapia, ngolo, malwa, soso, makayabu, pondu, bref, milo nous surtout autres alango. En gros, comme en détail, ezali. Puis vendredi, bandeko tout aux musulmans. Sobo si mosquée, tous à fond ma tif souka. Ti retard, ti ba 22h, ti ba 23h. Dimanche, bandeko na soba Christo, le ba chrétien, tous à awawa. Boya pebino, tous à tous aux elabino. Sobo si ba church, parking les afri, boya, vous allez shopping amino, tous à wa ti risousou, 22h. Livery, ils ont un link qui m'ont tous aux chers, sobo zui link en gros. Au cliquer au côté nakati ma produit dans surtout les nakati fil à basket nayo et puis au check out quand ligne tout ça na Amazon na Ticketmax na nyo surtout quand tout ça là au sami on a tous les deux options tous en delivery tous appel na pick up. On dirait on avait envoyé des espions puisque Rwanda ramakas na routine des espions. Vous rappellerez que na Davos, conférence à Davos sur l'économie, une dame rwandaise attachée à Paul Kagame, bah musulmane tu as vu ça y a zaga likangu ya Kagame, j'aurais appris ça. Ayaki a posé Félix Tshisekedi ma question, a posé la vérité à qui négocie qu'il est avec Paul Kagame. Heureusement que le chef de l'État Fachi avait répondu d'une manière sage et ce qu'il avait dit est vrai. Mais vous savez aussi, messieurs dames, que le président Tshisekedi dans tout ce qu'il le fait, il ne manque pas de parler de l'agression de la République démocratique du Congo. Vous pouvez critiquer Tshisekedi dans tous les secteurs que vous vouliez. Mais quand il faut parler de la sécurité, le président s'est imposé. Certainement, les gens vont dire qu'il est en train de déplorer. Évidemment, nous voulons qu'il puisse poser aussi des actions. Certainement, c'est vrai. Nous voulons, au-delà du fait que nous sommes en train de dénoncer, mais que nous posions aussi des actions. Mais l'acte démontré par les chefs de l'État démontre en suffisance qu'il aime les Congos. Fachi a réussi à faire tout en 4 ans. Ce que Kabila n'a pas pu faire en 18 ans, Fachi l'a fait en 4 ans. Je vous dis, Fachi nous a amené. Nabi, ça écoute tout le monde, la réseau sociaux, Boroseka. Nabi, Fachi a réussi comme Mélabi au pape. A quoi réussir que Kalamine était pour moi na Poutine à Goya. J'ai dit ça à quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui a dirigé le Congo. Il a réussi à gagner le Congo. Il a infiltré le Congo. Il a gagné la vie sur le Rwanda. On a pensé à côté. On a coup de chapeau naïf puisqu'il a réussi de nous amener des Rwandais dans ces pays. Le président Tshisekedi a réussi aujourd'hui d'améliorer l'armée. Je parle de l'amélioration de l'armée. Parce qu'il faudrait le dire aujourd'hui. Que l'armée congolaise d'hier n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, vous pouvez être d'accord avec moi. Je ne mâche pas les mots. Je dis, l'armée congolaise aujourd'hui n'est pas celle qu'elle était hier. Aujourd'hui, quand vous entrez dans l'armée, vous voyez qu'il y a des choses qui sont structurées. Et vous voyez qu'il y a une volonté qui est engagée par ceux qui ont accepté d'adhérer dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale.
Aujourd'hui, vous avez des lois qui régissent l'armée, des lois qui organisent l'armée, qui met même des moyens. Vous avez une loi de la programmation militaire qui est mise pour essayer, je ne dirais pas essayer, mais également pour changer beaucoup de choses. De ce côté, le président Tshisekedi a marqué un pas. Messieurs, dames, nous sommes au Congo et nous connaissons les réalités de la République. Et nous avons toujours parlé de l'infiltration. Eric Tshisekedi, je ne cesserai de parler de l'infiltration, puisque c'est ça même la cause de la destruction de ces pays. Si ce pays est tel qu'il est aujourd'hui, c'est puisque nous sommes engagés à l'époque dans une politique dont nous pensions que les choses pourront marcher, alors qu'on avait aveuglé les Congolais, nous sommes restés des dupes, les autres ont pris possession, ils ont dirigé les Congos, ils ont infiltré les Congos, ils ont pris possession du Congo, ils ont pris l'économie du Congo, et aujourd'hui ils nous font la guerre au vu de tous. Qui ne sait pas que le Rwanda et l'Ouganda font la guerre à la RDC? Tous nous le savons. Tous nous le savons. À telle enseigne que Moyebi, oui, les Kaki, la dernière fois nous avons dit qu'ils ont tiré sur le Sokoï, na territoire Nabisso. Ils ont tiré. C'est-à-dire que le Rwanda s'est préparé pour vous dire « Je suis prêt maintenant à faire la guerre avec vous, je ne crains personne. » Et je vous avais même parlé des causes de cela. Puisqu'aujourd'hui, je vous reviens encore pour vous dire que les Qatar ou les Émirats Arabes Unis veulent l'argent, veulent que le Rwanda a remboursé Bango, Mbongo ou Bazouaka pour créer usine à raffinerie d'or. Alors que le Rwanda avait créé usine à raffinerie d'or, il pensait que Nakata usine à raffinerie d'or Rwanda, messieurs, dames, que Nakata usine à raffinerie d'or, que la République démocratique du Congo, c'est lui qui ferait quoi? C'est elle qui viendrait avec ses potentialités, viendrait avec ses richesses pour que Bango va raffiner Yango. C'est ce qu'il pensait à l'époque. Mais je vous dis que cela ne s'est fait plus puisque le président Tshisekedi s'est engagé dans une autre vision pour la République démocratique du Congo. Voilà. Messieurs, dames, le pape est arrivé au Congo. Hier, il y avait un embouteillage incroyable. Quand je parle des embouteillages, je parle des embouteillages du fait que l'État congolais s'était déjà organisé pour que le pape arrive. Donc, ce qui devrait sortir. D'ailleurs, écoute, il s'agit que non, il y avait des tronçons, ici, il y a des gens qui peuvent les sauter en attendant faire passer les papes. Mais après que les papes soient partis, voilà, c'était vraiment très difficile. La ville était vraiment branchée, il y a à côté la pape, il y a qu'au recevoir. Alors, le pape est arrivé en RDC. Mais il faut dire pourquoi on a fait appel au pape. J'ai dit ici dans l'introduction que l'Église catholique fait partie de ceux qui décident. Le chef de l'État, vous vous souviendrez, je crois, entre 2019 ou 2020, si ma mémoire ne me trahit pas, ou bien 2020-21, le président Tshisekedi s'était déplacé pour la Rukendetine à Vatican. Les gens ont dit que Kabila avait formulé une demande pour que le pape arrive, puisque na kongo ekomawa, soyis fati a posé action, toi posé acte, bagoba, te, bisonde to salaki yango. Bon, ok, nous vous les concédons. Dans la politique de la continuité ou de la continuité du pouvoir, c'est-à-dire, lorsqu'il y a des choses qui sont déjà faites, qui ne sont pas arrivées au bout, celui qui vient, qui a une bonne vision pour la République, peut accepter de pouvoir continuer certaines choses, s'il trouve que cela est très importante pour la nation congolaise, soit tout dépendrait de ce qu'il pense. Alors, le principe de continuité des pouvoirs n'exclut pas. Si Kabila aurait formulé la demande au pape de venir, alors la question fondamentale de se poser, pourquoi le pape n'est-il pas venu sous M. Kabila? Tant réfléchir, si M. Kabila aurait formulé une demande pour que le pape arrive, puisque le pape François est là depuis 2013, prénom 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, puisque Kabila Lungwe en 2019, 7 ans après, pourquoi le pape n'est pas venu sous M. Kabila? Je vais vous dire que le pape ne peut pas venir dans un état où les dirigeants sont des dictateurs, ou un état où les dirigeants sont des criminels. Il aura peur d'abord de sa sécurité. Puisqu'il faudrait il faut dire que le pape, quand le pape se déplace aussi avec sa sécurité.
il doit s'assurer. Et d'ailleurs, le pape est considéré comme, pas considéré, pas comme, le pape est, est un chef d'État. Au Vatican, aux hommes de la Vatican, ils ont dirigé moi Vatican, ils ont 836 habitants ou quelque chose comme ça, entre 836 ou 840, quelque chose d'habitants. Et c'est le plus petit État du monde. Le plus petit État du monde. Donc, il a été d'abord réussi premièrement comme un chef d'État, deuxièmement comme un homme de Dieu qui est venu. Mais vous, nous allons décrypter un peu son discours, mais je voudrais simplement dire, les papes, si on aurait formulé pour lui la demande depuis Kabila, et qu'il n'est pas venu, ça veut dire que le pape avait reçu l'invitation, mais il a refusé d'arriver. Pourquoi ? Puisqu'il n'était pas d'abord rassuré de la politique interne de la République démocratique du Congo, étant d'abord un homme d'État. Deuxièmement, il n'était pas d'accord puisque, même sur le plan spirituel, lui se disait que ces pays ont encore de sérieux problèmes. Il ne pouvait pas venir. Mais lorsque la demande a été faite par le chef de l'État, vous vous souviendrez que le président Tshisekedi s'est déplacé de là où il était. On parlait de lui comme étant pigeon voyageur. Il est allé rencontrer les papes. D'abord, il a été béni par les papes. Il a rencontré les papes. Il a demandé aux papes de venir visiter, de venir bénir les Congos. Et vous vous souviendrez que quand le chef d'État Fatih a commis président, il dédia les Congos entre les mains de Dieu. D'abord, il dédia les Congos entre les mains de Dieu. C'est pour dire que moi, je veux d'abord que vous, vous puissiez régner et diriger et que afin que vous me donniez de l'intelligence et de la sagesse de pouvoir aussi diriger cet État qui a beaucoup de problèmes, de défis à relever. Et par la suite, le président reformule sa demande, il va rencontrer le pape et après quelques temps, le pape accepta de venir. Mais ceux qui ont dit que le pape est venu puisque la demande était la demande de la Kabylie, lorsque le pape avait annoncé l'année passée, puisqu'en principe le pape devrait arriver au Congo l'année passée, Tango a reporté à son avenir ici, les gens ont tiré pour dire oh, le pape a saboté la demande à Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas dit que le pape avait saboté la demande de Kabila. Est-ce que vous comprenez la logique? Lorsque le pape devrait venir l'année passée, qu'il n'était pas venu puisqu'il avait dit que sa santé n'allait pas bien, d'ailleurs, il a encore un problème de santé, il souffre de ses genoux, tous nous connaissons cela. Vous avez dit que le pape avait rejeté à la demande du président Tshisekedi. Vous n'avez pas dit aux demandes de Kabila. Quand le pape accepte cette demande, vous dites que c'est Kabila qui avait demandé. Quand le pape s'excuse puisque il est empêché, vous dites que cela revient à Félix Tshisekedi. Allez-y comprendre qu'il y a certains qui font ce que nous appelons en français une récupération politique et que ces gens ne sont pas vrais. Certainement, ils ne sont pas vrais avec ce que nous autres sommes en train de faire ou que le gouvernement Félix Tshisekedi est en train de faire. Alors, le pape est arrivé au Congo. J'ai vu la population congolaise être mobilisée. D'ailleurs, on aurait envoyé certains de ne pas répondre à cela. J'étais informé. Mais nous avons vu beaucoup de Congolais répondre depuis l'aéroport international de Njili. Une foule immense et il était heureux de fouler ses pieds en République démocratique du Congo. Alors, nous tous, nous les souhaitons le bienvenu, mais nous allons essayer de parler aussi le pourquoi de l'avènement du pape. Monsieur, dame, 082 70 38 226. Pourquoi l'arrivée du pape? Pourquoi maintenant? Nous sommes dans un conflit. Je vous avais dit la dernière fois, et je vous rappelle encore une fois de plus, que le président Tshisekedi va décréter la guerre au Rwanda. Retenez ce que je vous dis, retenez cette émission. Nalobango bien la lingala. Mokonzi amboka Félix Tshisekedi a décrété bitumba kalamingi te bokoyoka yango. Mais avant que Mokonzi amboka a décrété bitumba na Rwanda officiellement pour tokosala yango, esengelaki na ye a réunir ba paramètres nyonso diplomatiques pour être le jour où il décrète la guerre et que les gens ne lui disent pas à négocier, parlez-en, et qu'ils disent, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour taire les armes silencieusement, mais ils n'ont pas écouté et je suis allé militairement et cette fois-ci, je ne recule pas. Soit ils quittent, soit c'est moi qui agis. Ah, dans vos maisons, vous vous êtes étonnés. Je vous rappelle
que tout ce que le chef de l'État Félix a posé, ce sont des actes diplomatiques de grande envergure, dans l'objectivité ou dans l'objectif d'assurer une paix stratégiquement. Tant que les autres vont continuer à agresser le Congo, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à agresser le Congo, le président Tshisekedi va changer aussi sa politique, sa manière de faire les choses. Et le jour où il décrète la guerre avec le Rwanda, monsieur, dame, il n'écouterait personne. Puisque ceux qui viendront pour dire, ils vous diront, je suis allé à l'accord de Luanda, je suis allé à l'accord de Nairobi, je suis allé dans beaucoup de pays, je vis Macron, je vis ceci, je fais ceci, j'ai négocié ceci. Mais le Rwanda est resté catégorique et ils ne veulent pas, ou ceux-là ne veulent pas, que nous puissions avoir la paix. Et compte tenu de tout ce que nous avions évoqué, moi je me suis décidé maintenant à agir par voie de force. C'est pourquoi les présidents étaient sages, messieurs, dames. Mon konzambu kalaki na maele moi et belé. Ya liboso maele na yezalaki ya ko réformer armée. Armée congolaise alaki 11e to bandela kango mais Global Forward Powered, une agence sûre et vraie qui classe les armées du monde, a classifié ya kango que ce soit des armées de l'Afrique mais également du monde, a classé actuellement la RDC parmi le 8 états dont l'armée elle est une armée, je parle d'une armée forte, structurée et équipée. D'abord, même en termes d'effectifs, il faudrait le dire, nous avons beaucoup de militaires dans l'armée, n'est-ce pas, même des policiers qui sont dans l'armée. Et donc, il a d'abord commencé par réformer, mais également par jouer à sa diplomatie pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous imposer. Les gens vont dire que pourquoi jusqu'à ce stade nous en avions parlé de décréter la guerre, etc. Pourquoi cela ne s'est fait pas? Je vous avais dit que le président Tshisekedi ne peut pas... le président Tshisekedi ne peut pas réfléchir comme nous. Non. Je le répète, le président, un président ne réfléchit pas comme tout le monde. Il laisse tout le monde parler. Il écoute tout le monde. Et il commence maintenant à prendre toutes ces intelligences-là. Il les met ensemble et maintenant il agit sur base de la sagesse pour écouter Moïse Talouba qui est le Roboué, Fayou Talouba qui est le Roboué, Bemba Talouba qui est le Roboué, Kabila Talouba qui est le Roboué. Je crois Nabaoba Lobi Wana, Ngana Koko Salanini. Alors il fait appel aussi aux autres intelligences et par la suite ils se disent est-ce que c'est que cette décision que nous allons prendre sera-t-elle bonne pour notre pays? Et par la suite, si la décision, ils trouvent que cette décision sera une bonne décision et c'est par là qu'ils vont poser des actes et qu'ils vont agir. C'est comme ça que le président travaille. Monsieur, dame, c'est comme ça que le président travaille. Donc, sur base de la guerre, nous allons le faire. Et je vous répète que Tokosa la yango. Alors, le pape arrive au Congo quand il est arrivé. D'abord, c'est le président qui l'a accueilli. Mokonzambo Kande Akirie, Basolou, le chef de l'État, Ayambiye. Ce que j'ai aimé, Yali Bosso, c'est le discours du président Tshisekedi. Comme toujours, le président n'est pas allé derrière les dos de la cuillère. Il a exposé au vu de tous l'agression que le Congo est en train de subir. Récemment, Boukaki Kekisindi, Baboumaki Batou, Kishanga, Boukaki Kebaboumaki Soussou Batou, Bounagana, entre les mains jusqu'à ce stade du M23. Et pendant ce temps, l'objectif, il y a M23 et Zalarabako Matina Goma. Sur ma commune Goma, ma Kangi aéroport de Goma, ma Kangi radio RTNC, il y a Goma, et ma déclaré Goma comme un état indépendant. Et pendant ce temps, vous chercherez à négocier, à renégocier, puisque quand ils prennent Goma, ils allent la capitale, il y a Nord Kivu. Et alors, la capitale, il y a Nord Kivu. C'était ça. D'ailleurs, vous vous souviendrez qu'un général Awa, général Yav, Makanga était sur quoi dans ma prison centrale à Makala. Il était en train de négocier, de travailler pour que Goma et Koya, dans ma boucle, il y a M23, pour que M23 à Zoyango, et enfin que Bisoto cède. En fait, le problème avec le Rwanda et les autres, c'est que nous puissions céder à leur volonté. Kagame vous dit, il faut que nous respections les accords.
Et les accords que donc Kagame parle, ce sont des accords pas que Tshisekedi a signés avec le Rwanda. Ce sont des accords qui ont précédé le règne du président Tshisekedi ou sa gestion. C'est-à-dire que ils ont hypothéqué le pays, par certains qui ont hypothéqué le pays, et ils veulent que nous puissions continuer dans cette logique-là. Alors que le président Tshisekedi, congolais, refusa ou refuse de se mettre à genoux sous de ces exigences-là, et ceux qui l'entourent, certains conseillers, ils écartent ces conseillers à petit fait. Alors, je vais conseiller une dame, pourquoi ? Parce qu'il y a certains qui veulent continuer dans cette logique. Alors, qu'est-ce que le président Tshisekedi a dit? J'aimerais d'abord vous laisser suivre un petit peu les discours, les interventions, je le dirais ainsi, du président Tshisekedi. Et par la suite, nous prendrons également l'intervention du pape François. Et par là, nous allons essayer d'analyser ces deux interventions et nous allons nous poser la question, qu'est-ce qu'attend la République démocratique du Congo? Suivons d'abord l'intervention du président Tshisekedi. Le peuple congolais et moi-même saluons l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en acceptant d'y effectuer à partir de ce jour votre visite pastorale sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Le peuple congolais vous accueille dans la joie et l'allégresse comme il l'avait fait pour votre vénérable prédécesseur, le pape Jean-Paul II, d'heureuse mémoire, lors de ses deux visites pastorales en République démocratique du Congo, alors République du Zaïre. Au nom de l'ensemble de notre peuple, dans la diversité de ses sensibilités religieuses, au nom de tous ceux qui sont présents, de ceux qui sont, pour des raisons diverses, absents et n'ont pu effectuer ce déplacement, ainsi qu'aux miens propres et en celui de ma famille, je vous souhaite la bienvenue. Sa Sainteté, la République démocratique du Congo est un grand pays au cœur du continent africain, constitué de 26 provinces dans lesquelles vivent plus de 450 tribus. Ces populations ont une riche et harmonieuse diversité culturelle et celle-ci, plutôt que d'être un facteur de séparation, s'est mué au fil de l'histoire de notre nation en un ferment à l'avènement d'une terre de paix et d'hospitalité, ainsi qu'une terre d'accueil pour les peuples d'Afrique et du monde. Sa Sainteté, si la République démocratique du Congo a proclamé la laïcité de l'État comme principe constitutionnel, la vie de nos populations demeure, elle, profondément liée à des convictions religieuses qui traduisent le dynamisme et la vitalité de leur foi. Ces convictions structurent notre agir collectif et la vie de nos familles repose en grande partie sur ces valeurs religieuses. Au nombre de celles-ci, figure notamment l'hospitalité qui s'impose comme une valeur cardinale partagée par l'ensemble de nos familles et de notre peuple. Malheureusement, il y a lieu de constater qu'au cours de ces trois dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. En effet, à la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale,
plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées. Des jeunes gens et enfants sont égorgés. Des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. Nous ne pouvions et nous ne pourrons demeurer quoi face à une telle injustice et un tel silence complice de la communauté internationale. À cet égard, sachez que je n'ai pas manqué de désigner le responsable et d'interpeller la communauté internationale lors de ma dernière intervention à la tribune des Nations Unies, ceci au nom de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Soyez rassurés, en outre, sur le fait que la République démocratique du Congo assume et continuera d'assumer ses responsabilités, notamment celles consistant en la défense de l'intégrité de son territoire avec l'aide de son peuple. Car, tableau sécuritaire préoccupant, le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force. Sachez, Sa Sainteté, que le peuple congolais demeure et demeurera un peuple grand, un peuple uni et fort face à toute menace faite à l'intégrité de son territoire et à la survie de sa nation. À ce propos, je me réjouis de votre volonté de recevoir une délégation de cette population meurtrie de l'Est de notre pays qui, je suis convaincu, vous permettra de vous saisir de cette résilience inouïe qui, aujourd'hui, plus qu'avant, nous définit et nous caractérise comme nation. Aussi, au-delà de la diversité de leurs convictions religieuses, ces populations demeurent sensibles à votre présence sur le sol congolais et l'écho de votre visite pastorale, tout autant que votre prière sur la terre de nos ancêtres, leur apporteront réconfort. Je saisis donc cette occasion pour vous remercier de vive voix, au nom de l'ensemble de la population congolaise, pour l'intérêt que vous avez toujours accordé à la situation sécuritaire de notre pays dans vos prières ferventes pour la paix dans sa partie Est. Sa Sainteté, le deuxième défi du gouvernement est d'ordre économique en lien avec les valeurs de partage, d'équité et de responsabilité. Je suis convaincu que ces valeurs incarnées dans notre agir collectif comme citoyens et responsables politiques peuvent servir de base à l'édification d'une société plus juste et plus humaine. En effet, avec son riche potentiel économique, la République démocratique du Congo renferme dans son sous-sol... Voilà, vous avez suivi de vous-même les analyses, les interventions, vous avez suivi les interventions du président de la République. Et ces interventions sont précises et concises. Vous avez suivi de vous-même. Le chef de l'État, il a parlé et il a expliqué réellement le problème du Congo. Et il a parlé du Rwanda. Alobi yango bilomoro boyoki. Nous sommes et nous continuons par être agressés et plus de deux décennies dont on ne fait que décapiter les citoyens congolais. Bazaka ko kataka bango mito, bazaka ko violer bango, etc. Ce que j'ai aimé, bato bande cause la dialogue. Po bato linga ke election sala mana Congo, na mi c'est bien en vérité. Ceux qui attendaient le dialogue, on organise les dialogues, mais c'est les dialogues qu'on veut organiser, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Puisque l'arrivée des papes, t'aimes les accoutes tous réconciliés en Jésus-Christ. Je crois que c'est ça.
tous réconciliés à Jésus-Christ. Hier, le pape est arrivé. Lelo basali Messi, Misa. Et pour la première fois, Martin Fayulu a accepté Félix Tshisekedi comme président, puisque Fatia Fandé était président Fandaka. Martin Fayulu a dit qu'il Fandi a Messi. Donc, Martin Fayulu a participé, il a participé au dialogue. Il n'y aura plus de dialogue dont certains cherchent. Puisque le dialogue que vous avez pensé dans le format Nabino est simité. Le vrai dialogue, c'est ce que le pape a dit. Il vous a d'abord... Je vais vous décrypter son discours après. Non, 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 non. Fayulu était présent. J'ai vu Fayulu. Moïse Katumbi, Moïse Katumbi présent. J'ai vu Moïse Katumbi être là. J'aurais appris que Franck Diongo aussi était là. Il y a non la image était, mais j'aurais appris. Je vais encore vérifier. Motora était à Kabila. Kabila, moi, il correspond à l'invitation à Félix Tshisekedi. Pourquoi? Pour banda bakata et salaire à Silika et puis banda TV bimi sa vérité que Olive Lemba et Bakambongo te salaire à Kabila te à Silika à lobi bolongoli na salaire et puis boza ko benga nga na yana ko sa nini. Je viendrai que le jour pour zoom chilanga salaire nanga Kabila za ko réclamer salaire né dans les silences. Le président Kabila, l'ancien président de la République Kabila, n'est-ce pas, est entré de demander son salaire en silence. Yango a y été. Le col a Katumbi bafou tare salaire te ayenaye et les autres sont arrivés. Donc le format du dialogue que certains attendaient, puisque il y avait ceux qui proposaient un consensus dans lequel ils disaient les acteurs politiques devraient se réunir pour que l'on puisse requalifier la commission électorale nationale indépendante, ça c'était les alibis des uns et des autres, chose qui n'a pas été faite. Mais ils ont répondu à un autre dialogue. Format Moussous, il y a dialogue. C'est-à-dire, le pape est arrivé dans l'aéroport à Ndolo. Bango tout bazala ki wana. J'ai vu Madidi Fayulu. D'ailleurs, écoute, lobby, j'ai vu tout le monde être là. Et ça va opposer à Moussous Namona. Bon, j'ai vu celui-ci, Noël Tchani Modian Vita. Il était présent, je l'ai vu. J'ai vu Vital Kamere, près, il y a Kabuya. Namonie. Namoni Vital Kamere, le professeur. Modeste Bati du Kwebu, Namonie. Les gens étaient unis et ils parlaient langage Moko. Le jour où nous parlerons langage Moko, c'est le jour où le Congo ira de l'avant. Donc, ne vous attendez pas à un autre dialogue où on va changer la CENI. Vous rêvez debout. Monsieur, dame, ne vous attendez pas à un dialogue dont on fera votre schéma. Où les plans de sortie de la crise que Martin Fayulu demandait. C'est le plan de sortie de crise que le pape est venu vous dire. Tous réconciliés en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous nous mettons d'accord et que le Congo puisse aller de l'avant, travailler pour le Congo. Puisque le discours du pape est un discours très stratégique et un discours qui, j'appelle ça un discours du réveil. Mukuna Baka, éveil patriotique. C'est ça l'éveil patriotique dont le pape a fait. Alors, le chef de l'État dans son discours, vous l'avez suivi, il a dit exactement ce qui se passe en RDC. Une fois de plus, il a tiré sur le Rwanda et encore, je vous dis, que le Monseigneur rwandais est au Congo. Il a participé à la messe. Premièrement, le monde entier, Félix Tshisekedi a salué fort puisque le monde entier est la République démocratique du Congo. Puisque, vous savez, il y a dans certains états, il y a la RDCT. Il y a la Zaïre. Zaïre, pourquoi pas Mobutu à Salam, à Zaïre et Yébana. Bitumba Alina Foreman, na Tata Raphaël. Et ça, là, que Zaïre et Yébana. Ma casse à Rosaranate. Ma arrivée à Pape, puisque Mobutu a Benga, on coûte deux fois. Baya. 81 ou 82, et puis en 85. Deux fois. Baya. Donc, les Zaïre à l'époque étaient connus par la politique stratégique de Mobutu à l'époque. Il y a encore les leçons au Kepoto, mais les Congolais, Brazzaville, les Congolais, ils sont Zaïrois. Pourquoi? Zaïrois est Tikala sur base de ce que Mobutu avait fait et Tikala Tilelo. Et aujourd'hui, je vous avais dit que Fachi a fait des voies et moyens que Congo est banana tchiké international. Et il continue toujours à faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. À telle enseigne qu'il a même demandé des Congolais. Qui ont pris d'autres nationalités étrangères,
Par contre, c'est un ambassadeur congolais, il va passer par diplomatique. Vous vous souviendrez, Nagims, qui est passé, un acteur, un musicien connu dans le monde, qui passe pour parler de l'agression du Congo, et il dit que le Rwanda agresse. La voix de cet artiste a fait entendre. Je me suis posé la question, oh, Rwanda c'est quoi? Oh, c'est un petit pays qui ressemble à l'estomac d'Akala. Ah, ok. L'RDC c'est quoi? Oh, c'est un grand pays, un très grand pays. Ah, très grand. Comment vous comment ils ont le droit justement d'accord les armes menacées? Il y a d'autres pays qui sont derrière eux. Et aujourd'hui, c'est grâce à cela. Les Vandames sont venus dans ces pays. Ce n'est pas pour faire de trucs, non. Ils ont valorisé les Congolais partout où il est allé. À qui est comme ça, Arnold Schwarzenegger? Je suis allé visiter le Congo. J'ai vu ces pays, nous pouvons venir investir. C'est-à-dire que le président de la République a joué à toutes les voies possibles. C'est que Kabila n'a pas réussi en 18 ans, Tshisekedi a réussi dans 4 ans. Dites-moi, Mbokanin ou Kabila Kenda ou le bela bien pour la RDC? Mbokanin ou Kabila le bela bien pour la RDC? Et le côté, Fatih nous amène des gens capables. Mobutu nous a amené les papes. Félix Tshisekedi nous a amené les papes. Mais Kabila nous avait simplement amené que des Rwandais. Et il amène les Rwandais légitimement. En 1997, hein, Mouzé nous amène le Rwandais. Je parle de Kabila Mouzé qui nous amène le Rwandais. En 97, l'entrée de l'AFDEL. Au vu de tous, et nous étions bêtes, on dit libération. Alors qu'on devrait dire en principe occupation. Et nous avons été occupés à telle enseigne qu'après son départ, il meurt. Et celui qui a la tête nous occupe pendant 18 ans. Et il fait tout ce qu'il pouvait faire pour lui. 18 ans! Na 18 ans, atikali goyela biso ta papete. Atikali ata ko ata ko fente abe tata tour, ata jour mon côté. Mais son problème c'était exploiter les Congo, faire du Congo ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, nous avons capitalisé cela. Le chef de l'État est resté précis et concis. Alors, lorsque maintenant nous prenons les interventions du pape, je vais ici demander à mon réalisateur de vous mettre l'intervention du pape et par là, je viendrai pour vous parler notamment de la pertinence de l'intervention du pape et vous comprendrez l'objectif du président Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il poursuit? En fait, il n'y a que ceux qui ont la vie qui peuvent vous comprendre. Quand je parle de la vie, c'est les yeux. Ce ne sont que eux qui peuvent comprendre pourquoi il est arrivé. Je vous dis que le pape, s'il y a deux décideurs dans le monde, il fait partie. Ici, je vous l'ai dit et je mets quiconque en défi. Et ses discours sont restés précis et concis. Et il a parlé avec son cœur. Il a pris les problèmes du Congo entre ses mains. Chose qui ne sera pas faite. Mais Lelo, après Misa, quelques délégations à Batofanda Kanagoma, Bafanda Kanabunagana, Bafanda Kanamasisi, Bafanda Kanawalikali, Bafanda Kanawuchuru, Bafanda Kanawalung, Bakozalanaï, Akosolala Bangu. Et puis Bakola Kisaye, image à Bassignos, Baviola. À mon ego la musique et puis bagoué bisaye au moni makamuto akuluba monguna na biso de Rwanda et la société civile qui est là-bas va mettre en vue tout ce qui se passe au Congo. Et pour nous, la voix du pape aussi, c'est une voix importante. Le président Tshisekedi est en train de travailler sur la politique stratégique. Je l'ai toujours évoqué de plusieurs acteurs, de plusieurs chercheurs. Je vous dis, Tshisekedi est un grand diplomate. Il joue à la politique du Sun Tzu, il joue à la politique de François Kitchener, il joue à la politique... En fait, il est un homme qui sait ce qu'il veut. Quand on sait ce que l'on veut, on y va avec objectivité pourvu qu'on atteigne des objectifs. Toutes les voies sont possibles. Je dis bien, toutes les voies sont possibles pour que tu résoudre le problème tout ça l'ango. Il y a aussi un aéroport, 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 il y a aussi un objectif, il y a aussi un aéroport. Tu as un aéroport. Et donc, suivons d'abord un petit peu le pape et nous reviendrons, n'est-ce pas, pour clôturer, mais également pour éclairer la lanterne des uns des autres. Suivons. Monsieur le Président de la République, membres illustres du gouvernement et du corps diplomatique, autorités distinguées religieuses et civiles, éminents représentants de la société civile et du monde de la culture, mesdames et messieurs, je vous salue cordialement et je remercie Monsieur le Président pour les paroles qu'il m'a adressées. Je suis heureux
d'être ici sur cette terre si belle, si vaste, si luxuriante, qui embrasse au nord la forêt équatoriale, au centre et vers le sud, les hauts plateaux et les savanes arborées, à l'est les collines, les montagnes, les volcans, les lacs, à l'ouest d'autres grandes étendues d'eau avec le fleuve Congo qui rejoint l'océan. Dans votre pays, qui est comme un continent dans le grand continent africain, on a l'impression que la terre entière respire. Mais si la géographie de ce poumon vert est riche et variée, l'histoire n'a pas été aussi généreuse. Tourmentée par la guerre, la République démocratique du Congo continue de subir à l'intérieur de ses frontières des conflits et des migrations forcées et à souffrir de terribles formes d'exploitation indigne de l'homme et de la création. Ce pays, immense et plein de vie, ce diaphragme de l'Afrique, frappé par la violence, comme par un coup de poing de l'estomac, semble depuis longtemps avoir perdu son souffle. Monsieur le Président, vous avez parlé de ce génocide oublié qui souffre la République du Congo. Et tandis que vous, Congolais, vous luttez pour sauvegarder votre dignité, votre intégrité territoriale contre les méprisables tentatives de fragmentation du pays, je viens à vous, au nom de Jésus, comme un pèlerin de réconciliation et de paix. J'ai beaucoup désiré me trouver ici et je viens enfin vous apporter la proximité, l'affection et la consolation de toute l'Église. Et apprendre de votre exemple de patience, de courage et de lutte. Je voudrais vous parler à travers une image qui symbolise bien la beauté lumineuse de cette terre, celle du diamant. Chères femmes, chers hommes congolais, votre pays est vraiment un diamant de la création. Mais vous, vous tous, êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol si fertile. Je suis ici pour vous étreindre et pour vous rappeler que vous avez une valeur inestimable, que l'Église et le Pape ont confiance en vous, qu'ils croient en votre avenir, un avenir qui soit entre vos mains et dans lequel vous méritez de déverser vos dons d'intelligence, de sagacité, d'assiduité. Courage, frères et sœurs congolais. Relève-toi, reprends dans tes mains, comme un diamant très pur, ce que tu es, ta dignité et ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites. Revis l'esprit de ton hymne national en rêvant et en mettant en pratique ces paroles. Par le dur labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Chers amis, les diamants sont généralement rares. Eh bien, ici, ils abondent. Si cela vaut pour les richesses matérielles cachées sous la terre, cela vaut à plus forte raison pour les richesses spirituelles enfermées dans vos cœurs. Et c'est précisément à partir des cœurs que la paix et le développement sont possibles, car avec l'aide de Dieu, les êtres humains sont capables de justice, sont capables de pardon, de concorde, de réconciliation, d'engagement et d'épargne. Persévérance pour mettre à profit les talents reçus. Dès le début de mon voyage, je souhaite donc lancer un appel, que chaque Congolais se sente appelé à jouer son rôle, que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient
de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Une diplomatie de l'homme pour l'homme, des peuples pour les peuples, doit se déployer, selon lesquelles les opportunités de croissance des personnes soient au centre, et non le contrôle des zones et des ressources, les visées d'expansion et l'augmentation des profits. En regardant ce peuple, on a l'impression que la communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui le dévore. Nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays depuis des décennies désormais, faisant des millions de morts à l'insu de beaucoup. Il faut que l'on sache ce qui se passe ici, que le processus de paix en cours, que j'encourage de toutes mes forces, soit soutenu dans les faits et que les engagements soient tenus. Grâce à Dieu, il y en a qui contribuent au bien de la population locale et à un réel développement à travers des projets efficaces, non pas des interventions de pure assistance, mais des plans visant à une croissance intégrale. J'exprime toute ma gratitude au pays et aux organisations qui fournissent des aides substantielles en ce sens, en contribuant à la lutte contre la pauvreté et les maladies, soutenant l'état de droit et promouvant le respect des droits humains. Je forme le vœu qu'ils puissent continuer à jouer pleinement et courageusement ce noble rôle. Revenons à l'image du diamant. Une fois travaillé, sa beauté provient également de sa forme, de ses nombreuses facettes harmonieusement disposées. Ce pays, riche de son pluralisme typique, a lui aussi un caractère polyédrique. C'est une richesse qui doit être conservée en évitant de glisser dans le tribalisme et dans la confrontation. Prendre obstinément parti pour sa propre ethnie ou par des intérêts particuliers alimentant des spirales de haine et de violence tourne au détriment de tous en bloquant la nécessité chimie de l'ensemble. À propos de chimie, il est intéressant de noter que les diamants sont constitués de seuls atomes de carbone, lesquels, s'ils étaient reliés différemment, formerait du graphite. La différence entre la luminosité d'un diamant et l'obscurité du graphite provient de la manière dont les atomes individuels sont disposés dans le réseau cristallin. Cette métaphore exprime le fait que le problème n'est pas la nature des hommes, des groupes ethniques et sociaux, mais la manière dont on décide d'être ensemble, la volonté ou non de se rencontrer, de se réconcilier et de recommencer fait la différence entre l'obscurité du conflit et un avenir lumineux de paix et de prospérité.
Chers amis, le Père Céleste veut que nous sachions nous accueillir comme des frères et sœurs d'une même famille et travailler à un avenir qui soit avec les autres et non contre les autres. Bintu Bantu. C'est ainsi que l'un de vos proverbes rappelle très bien que la vraie richesse, ce sont les personnes et les bonnes relations entre elles. En particulier, les religions, avec leur patrimoine de sagesse, sont appelées à y contribuer par un effort quotidien de renoncement à toute agressivité, prosélytisme et contrainte, qui sont des moyens indignes de la liberté humaine. Quand on en vient à imposer, en allant à la chasse aux fidèles de manière aveugle, par la ruse ou par la force, on ravage la conscience d'autrui et on tourne le dos au vrai Dieu, parce que, ne l'oublions pas, là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas l'Esprit du Seigneur. Les membres de la société civile, dont certains sont ici présents, jouent également un rôle essentiel dans la construction d'un avenir de paix et de fraternité. Ils sont souvent démontrés qu'ils savent s'opposer à l'injustice et au délabrement au prix de grands sacrifices pour défendre les droits humains, la nécessité d'une éducation solide pour tous et une vie plus digne pour chacun. Je remercie sincèrement les femmes et les hommes, en particulier les jeunes de ce pays, qui ont souffert à divers degrés pour cela, et je leur rends hommage. Le diamant, dans sa transparence, réfracte admirablement la lumière qu'il reçoit. Beaucoup d'entre vous brillent par le rôle qu'il joue. Celui qui détient de responsabilités civiles et gouvernementales est appelé à agir avec une clarté cristalline en vivant leur fonction reçue comme un moyen de servir la société. Le pouvoir n'a de sens en effet que s'il devient service. Combien il est important d'agir dans cet esprit en fuyant l'autoritarisme, la recherche de gains faciles et la soif d'argent que l'apôtre Paul désigne comme la racine de tous les maux. Et en même temps, favoriser des élections libres, transparentes et crédibles, étendre davantage aux femmes, aux jeunes et aux groupes marginalisés la participation au processus de paix, rechercher le bien et la sécurité des personnes plutôt que les intérêts personnels ou de groupe, renforcer la présence de l'État partout sur le territoire. Que l'on ne se laisse pas manipuler, prendre soin des personnes, des sans-abri, qu'on ne laisse pas manipuler ou moins encore acheter par ceux qui veulent maintenir le pays dans la violence afin de l'exploiter et de faire des affaires honteuses. Cela n'apporte que discrédit et honte avec la mort et la misère. Au contraire, il est bon de se rapprocher des personnes pour se rendre compte de la manière dont ils vivent. Elles font confiance lorsqu'elles sentent que les gouvernants sont réellement proches, non par calcul ou par exhibition, mais par service. Dans la société, ce sont souvent les ténèbres de l'injustice et de la corruption qui obscurcissent la lumière du bien. Il y a des siècles, Saint Augustin, né sur ces continents, se demandait déjà si la justice n'est pas respectée, que sont les États sinon des bandes de voleurs? Dieu est du côté de ceux qui ont faim et soif de justice. Il ne faut pas se lasser de promouvoir dans tous les domaines le droit de l'équité en luttant contre l'impunité et la manipulation des lois et de l'information. Un diamant sort de la terre authentique, mais brute, nécessitant un travail. De même, les diamants les plus précieux de la terre congolaise, que sont les enfants de cette nation, doivent pouvoir bénéficier de véritables opportunités éducatives qui leur permettent de mettre pleinement à profit leurs brillants talents.
L'éducation est fondamentale. Elle est la voie de l'avenir, la route à emprunter pour atteindre la pleine liberté de ce pays comme du continent africain. Il est urgent d'y investir afin de préparer des sociétés qui seront fortes si elles sont bien instruites, autonomes, si elles sont pleinement conscientes de leurs potentialités et capables de les développer avec responsabilité et persévérance. Mais beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Combien, au lieu de recevoir une éducation digne de ce nom, sont exploités? Trop d'entre eux meurent soumis à des travaux asservissants dans les mines. Aucun effort doit être ménagé pour dénoncer le fléau du travail des enfants et d'y mettre fin. Combien de filles sont marginalisées et violées dans leur dignité? Les enfants, les jeunes filles, les jeunes sont le présent d'espérance, sont l'espérance. Ne permettons pas que celle-ci soit effacée. Cultivons-la avec passion. Le diamant, don de la terre, appelle à la sauvegarde de la création, à la protection de l'environnement. Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo abrite l'un des plus grands poumons verts du monde qui doit être préservé. Comme pour la paix et pour le développement, dans ce domaine également, une collaboration large et fructueuse est importante, permettant d'intervenir efficacement sans imposer des modèles extérieurs plus utiles à ceux qui aident qu'à ceux qui sont aidés. Nombreux sont ceux qui ont demandé à l'Afrique de s'engager et qui ont offert des aides afin de lutter contre le changement climatique et le coronavirus. C'est certainement des opportunités à saisir, mais il y a surtout besoin de modèles sanitaires et sociaux qui ne répondent pas seulement aux urgences du moment, mais contribuent à une croissance sociale effective, des structures solides et du personnel honnête et compétent pour surmonter les graves problèmes comme la faim et la malaria qui entravent les développements à sa naissance. Enfin, le diamant est le minéral d'origine naturelle qui présente la plus grande dureté. Sa résistance aux produits chimiques est très grande. La répétition continuelle des attaques violentes ainsi que les nombreuses situations de détresse pourraient affaiblir la résistance des Congolais, miner leur force d'âme, les conduire à se décourager et à s'enfermer dans la résignation. Mais au nom du Christ, qui est le Dieu de l'espérance, le Dieu de toutes les possibilités, qui donne toujours la force de recommencer, au nom de la dignité et de la valeur des diamants le plus précieux de cette terre splendide qui sont ses habitants, je voudrais inviter chacun à un nouveau départ social, courageux et inclusif. L'histoire lumineuse mais blessée du pays l'exige. Les jeunes et les enfants en particulier l'ampleur. Je suis avec vous et j'accompagne par la prière et la proximité tout effort pour un avenir pacifique, un avenir harmonieux et prospère de ce grand pays. Que Dieu bénisse la nation congolaise tout entière. Messieurs, dames, vous avez suivi. Et là, vous avez compris. Papa Lobi, Congo. T'es là, Congo, t'es. Alibi, Congolais. Pour son ami Congo, je parle d'un État. Mais je parle des Congolais. Congolais à Brazzaville. Il y a Kinshasa. Alibi, Congolais, Ali, Ali, le coup, diamant. Donc, quand il parle de diamant, diamant est Ali, une pierre précieuse. Le peuple vous dit, vous êtes plus précieux que le diamant. Ça veut dire, le peuple veut vous dire, on ne fait pas la guerre aux ressources que vous possédez. Mais on vous fait à vous la guerre, les Congolais. Puisqu'en réalité, ils n'ont pas besoin de ces pierres précieuses. Ils ne veulent que vous ôtez vous la vie. Alors, vous êtes capable de défendre ce que vous êtes. Puisque n'attendez pas aux autres de faire de vous ce que vous voulez être.
Le peuple a décrié d'une manière stratégique la communauté internationale et il vous a réveillé, vous Congolais. Nous Congolais, le peuple vous a réveillé. Il vous présente comme le diamant, une pierre précieuse. Il dit l'homme congolais est une pierre précieuse. Oui, puisque la ressource la plus pondérante, la ressource la plus stratégique, la ressource la plus élevée, c'est l'homme congolais. Et cela, nous l'avons tous déjà démontré partout où nous sommes. Congolais, mais maïna, moka moussous, c'est papaya. Au commun, il y a azali ko distingué. Allez-y à l'étranger. Les Congolais qui ont fait de la médecine, ce sont des grands médecins, des grands docteurs. Ceux qui sont dans les sports, ce sont des grands sportifs. Ceux qui sont dans les business, ce sont des gens, des hommes d'affaires exagérés et qui sont connus. Un Congolais est une ressource. Je dis bien, c'est une ressource importante, l'homme congolais. Congolais, au pire, il y a l'eau qui est au pire, il y a l'eau qui est au pire, il y a l'eau qui est au pire, il y a l'eau qui est. C'est ça, il vous traite de diamant. Et la chose que j'ai aimée, le pape dit, ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Il ne dit pas au Rwanda, il dit maintenant à ceux qui sont derrière le Rwanda, à la communauté internationale, qui joue à un jeu machiavélique. Quand il dit ôtez vos mains du Congo, il parle aussi de ses politiques hypocrites. Ôtez vos mains du Congo. Bolongola maboko na bino ya salité na Congo. C'est un éveil, messieurs, dames. Nous devons capitaliser cela. Tous les acteurs politiques qui sont dans les mafias doivent arrêter d'être dans les mafias. Ôtez vos mains du Congo. Et ça, vous avez compris. Et les gens qui pensaient que les papes viendraient, j'ai vu certains prêtres qui ont dit « Ambongo koutou, na ebite, bon, bien que, akoutana gina pape na aéroport, mais après ça, batie moussika, tango papa tamboli, bon, c'est vrai, on a dit qu'on a accueilli les papes comme un chef d'État, d'abord, il était très loin, etc. Il a dit « Oh non, le pape ne vient pas sur l'invitation présidentielle, il vient comme… » Qui vous a dit ça? Puisque le pape est un président, d'abord, si vous ne le savez pas, j'ai dit le plus petit État du monde est dirigé par les papes. Et vous le savez? Donc, il est venu en double casquette. Et ça, tous nous en sommes sûrs. Et donc, j'ai aimé l'unité dans laquelle tous les Congolais ont été réunis. Pour la première fois, j'ai vu M. Martin Fayulu azimi protocole d'État. Et puis, ça, Ekiti, Afanda, Alanda, Misa. Nasima, excusez-moi, Akepe, Alei, Communion. Katumbi, Tomoni epe aye afandi, bien kengai, naibite soki Zambi e organize mes soki papa ke na Zambi. Bon, katumbi pe soki papa organize mes na Zambi a rokende ka na Zambi, pou ezape pa mboka mama na ye. Soki pe a organize na e papa juif a rokende pe, y a pas de souci. Azape Congolais, puisque il est Congolais, il est né au Congo. Mais au même moment qu'il est Congolais, il est aussi Zambi, il est aussi Italien, il est aussi juif. Ça, y a pas de problème, bien que la loi congolaise l'interdit. Bon, ça c'est un langage que lui. Mais j'ai vu des acteurs politiques se mettre autour d'une table. Et ils ont parlé le même langage. Et ça, c'est une chose à pouvoir féliciter. Et moi, je vous demande encore pour chuter. Je vais chuter par ici. S'il vous plaît, à nos autorités. Noël Tchani, moi, j'invite à que vous voyez ici marcher avec la loi des verrouages de haute fonction de souveraineté. Il n'a pas tort. L'unité ensemble ferait en sorte que nous puissions pacifier, réunifier ces pays. Mais également, la vraie protection de notre pays est basée sur des lois. Et moi, je réitère encore ma demande. Je l'ai dit et je me répète pour chuter. Nous devrions ériger un mur avec nos voisins pour protéger d'abord momentanément l'intégrité territoriale et revoir les lois de la République. Enfin, que la République démocratique du Congo soit dirigée par des personnes qui ont une loyauté avérée. Je dis, la loyauté avérée existe. Et si ces personnes trahissent, et donc le Congo aura la capacité de les sanctionner. Au lieu que quelqu'un puisse trahir le Congo, on a vu James Kabarebe trahir le Congo, chef d'état-major ici au Congo, trahir le Congo, fuir, aller au Rwanda et être militaire au Rwanda. Puisque la loi rwandaise fait en sorte que même quand il y a des Rwandais qui dirigent chez nous au Congo, s'ils quittent là-bas, le Rwanda reconnaît en eux la nationalité rwandaise.
Et chez nous, c'est une perte de beaucoup de choses. Voilà. 082 70 38 226. Appelez-nous, écrivez-nous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci et à très bientôt.